Vous prenez sans tous les ordres. Et voilà parti pour cette 14e épreuve, le petit jockey, 2300 mètres à parcourir cette crosse. Avec le meilleur départ qui est un actif de Inédix des Vallons en deuxième position, galope jamaïcaine des Vallons en troisième position, se trouve ensuite à leur hauteur, Cosfort. Et de prendre l'avantage pour entrer dans le premier tournant. Cosfortier donc qui a pris l'avantage. En deuxième position, on se porte dans les Apaches de Basque. Derrière l'Apache de Basque, au troisième rang, se trouve Jamaïcaine Vallon. Derrière Jamaïcaine Vallon, à 3 ou 4 de longueur, alors que désormais, il est fixé des Vallons. Derrière les fixes des Vallons, c'est pour l'Imperia Belle. Que le temps qui s'étire pour sortir les deux premiers tournants pour prendre la diagonale. Cosfortier qui a l'avantage. Et qui précède de 4-5 longueurs à l'intersection des pistes à page de Massy. En troisième position, avec le longueur de 2, se trouve Jamaïcaine des Vallons. Il est fixe des Vallons qui est en quatrième position. Le chapeau de gendarme a été franchi dans la foulée par six petits bolides. En tête toujours Cosfortier. En deuxième position, 2 ou 3 longueurs, le Cosfortier, Apache de Massy. Derrière Apache de Massy se trouve Jamaïcaine des Vallons. Au quatrième rang, toujours une équipe des Vallons. En cinquième position, Imperia Belle. Derrière Imperia Belle, quelques longueurs. Heinrich Kofi, derrière Heinrich Kofi. Je rafle, et en dernière position, patientant pour le moment, Cosfortier. Et de franchir la roquette à la même manière, ils ont franchi également le Fulandais, le Fulandais, pardon, et il s'est dirigé 22 ans vers le contrebas, et quelques chutes de notamment le Patrick Palerelle qui a perdu sa partenaire. C'est toujours Cosfortier avec qui a le meilleur dans la l'autre diagonale qui va les amener vers le lien ensuite de la rivière. Cosfortier donc le meilleur, 1,5 longueur, voire 2 longueurs. En deuxième position, se trouve Apache de Massy. Derrière Apache de Massy. En deuxième position, Gaston Lérien, Cosfortier, tente de se lancer la passe
le chapeau de gendarme, donc en deuxième de position, se trouve Cosson-Pierre-Lune, au troisième rang. Mais Cosson-Pierre tente de se lancer à la partie, imité par Camille-Tête des Ballons. Direction bientôt le tournant final. Toujours sous la conduite de Joara, qui maintient un rythme très régulier à cette épreuve. En deuxième position, se trouve toujours à quelques longueurs de lui, Cosson-Pierre-Lune. Troisième rang à plusieurs longueurs. Passe maintenant seul troisième, Jamaïcaine des Ballons. Cosson-Pierre-Lune n'est plus que quatrième. Le tournant final. Avec le combat à la lance. Joara et Pierre Allard. En deuxième position à plusieurs longueurs de lui, se trouve toujours Cosson-Pierre-Lune et Gaston Myriel. À plusieurs longueurs de Gaston Myriel, se rapproche de la fin de l'année avec la même tête des ballons. Et Cosson-Pierre-Lune se lance avec comme leader, Joara et Pierre Allard, Cosson-Pierre-Lune. En deuxième position, toujours à plusieurs longueurs de lui, se trouve Cosson-Pierre-Lune et Gaston Myriel. À la relais. Thank you.